Ici, au pied du château de la Madeleine, on vous forme à l'art de la guerre viking. Pendant 2 jours, une reconstitution historique a permis aux 10 000 visiteurs présents de découvrir leur mode de vie au 9e siècle. Les vikings sont passés dans les Yvelines, il y avait plusieurs camps vikings qui étaient sur les îles des bords de Seine lorsqu'ils ont attaqué Paris au 9e siècle. Donc c'est bien antérieur à la période du château de la Madeleine, mais c'est une thématique qui est assez porteuse, qui plaît à beaucoup. C'est hyper important parce que du coup ça représente aussi l'histoire, comprendre aussi comment on vivait à l'époque, parce qu'on est aussi dans une génération aujourd'hui où les enfants... n'ont pas forcément notion de tout ce qui est quotidien, donc c'est aussi important de transmettre aux jeunes générations une autre époque et une autre vie. Dans ce campement plus vrai que nature, une vingtaine de bénévoles incarnaient la vie du camp. Ils étaient présents afin de montrer le savoir-faire des Scandinaves aux Yvelinois. Chacun ont leur particularité. Donc de base, nous représentons la vie en général, donc la vie de camp. Selon les envies et les capacités de chacun, ils choisissent de faire, soit de représenter le combat, ce qui faisait partie de leur vie aussi, et des artisanats. L'occasion de découvrir l'ancêtre du tricot, écouter les contes des hommes du Nord ou venir s'essayer à des jeux de stratégie. J'adore tout ce qui est époque médiévale et particulièrement viking, que ce soit histoire ou mythologie. Et c'est un bel endroit en plus, il fait beau et il y a plein de gens passionnés et passionnant. Cette association Marly-Porten, le clan d'Ivar, s'appuie sur des recherches historiques pour proposer une expérience immersive. Notre souhait, c'était de faire de la médiation culturelle autour de l'époque du peuple scandinave de l'ère viking. C'est extrêmement important puisque c'est l'occasion pour nous de mettre en valeur notre patrimoine, de l'ouvrir au plus grand nombre et de proposer des animations qui peuvent toucher tous nos publics. Le château de la Madeleine proposera une nouvelle programmation avec d'autres reconstitutions historiques sur des week-ends dans les prochains mois. Les dates ne sont pas encore communiquées.